Thank you.
La balise, toujours en train d'aller à la balise. Ah ben oui. Ah oui, c'est pas ça. Le jeu au pied, c'est pas ça, quoi. Ah, c'est...
Si. Bah déjà, ils n'ont pas réussi à trouver la touche tout à l'heure. Ça va un peu, ça va les rafraîchir un peu. Il doit pas être chaud en plus, ça pue. Ouais, bah, on va y parquer partout.
de Gamard, ils ont réussi à jouer les coups. Voici l'ancien parquet de. Le parquet du Mans. Pareil, je suis bien tombé, je ne savais pas. Ils m'ont dit, vous verrez, il y aura une surprise. Pour le coup, effectivement, du coup, j'étais là pour... Des fois, je tombe bien, hein, quand même. Là, je savais pas, je savais même pas que ça allait être leur premier match en région. Ah oui, ouais. Ça fait deux sujets en un. Oui, c'est vrai que c'est leur propre chance, sinon. C'est un con. C'est la première fois que je joue à Boyo aussi, non? Non, non, non. C'est la première fois. Allez, Chana. C'est le deuxième ballon de l'autre côté. Et de deux. Il est allé chercher. Ah, le premier, oui, peut-être. Il a dû faire le tour. Hein.
Ah, plaquage haut. Il y a peut-être une cravate. On en a une là qui est Ils vont attenter. Oui, ça commence à chauffer. Là. Comment ça va aller? Ça tire en face. C'est pas la buteuse. Il n'y a pas la buteuse. Il y en a une et l'autre est blessée. Thank you.
Thank you.
Pas droit. Quand c'est pas droit, il la fait pas repère. Non, c'est mêlé ou... Ah bon ? Enfin si, c'est ouvert. On est dans les arrêts de jeu. Alors. C'est un peu loin.
machin. Thank you.
Thank you.
bonne buteuse. Elle est passée celle-là. Oui. C'est une buteuse. Allez, Gigi ! C'est entre les poteaux.
C'est ici. Alors, ouais, on va se faire.
se rendait, bien joué. Il avait été où? Il devait être un peu moins trouvé. Ouais, la semaine d'après, il avait neigé. Parce que quand le ballon glisse et que je joue glisse, c'est moins. C'est moins marrant, c'est quoi. C'est difficile dans les deux camps, mais du coup le jeu s'en ressent, c'est. Ils sont peut-être tentés de jouer plus au pied. Ou... Ouais. Allez, non. Ouais, si, il est quand même parti de l'autre côté. Je me dis, celui-là ne va pas y aller. C'est les joies du rebond du ballon au bal. C'est pas le truc. Non, c'est pas où il va le ballon. Je te oui. Souvent, ils sont en 720, quoi. En HD, quoi. Voilà, je sais que ça rentre sur une USB, en fait, ça fait 3-4 gigas avant, ça me fait. Des matchs entre pro et basket, pas content, parce que les fichiers sont trop lourds. Ah ouais, c'est ça. Je ne peux plus rien. Moi, je l'ai filmé pour ma chaîne, parce que, ouais. Comme les gens du club n'avaient pas de vidéo. Caméra, bon, j'ai filé les miennes, mais. Du coup, il faut qu'ils prennent le poids. Hein. Après, une fois compressé, c'est trois fois moins long, mais ça reste un ouf. Hein. Un match comme ça, il doit être au moins 50 gigas HD. Lequel? Un match comme ça, en ouais, full HD. Ouais. Là, il pèse à peu près 5 gigas. Ouais, c'est ça. Ah, une fois compressé. Ah oui. Ce que j'en vois sur YouTube, déjà, je les compresse avant. Ouais. Il reste là-bas en fait. Ils ont combien de ballons? Et il est allé le chercher. Ils ont dû faire une porte là-bas. Parce que... Le nombre de fois. Ouais. Ah. Attends. Il a dû faire une porte. Hein. Il a dû dire, de toute façon, le rugby, ils vont nous envoyer des ballons de profit. Sinon, lundi matin, ils viennent au chantier. Oh, ils en trouvent partout. C'est Pâques. Il y a des œufs. Il y a des œufs.
Il bord moins parce que le bord est
c'est bon. Et eux, ils sont avec nous. C'est vrai que ça marque, ça se trouve.
très dynamique. Ouais. C'est vraiment très différent. Là, j'ai tout, je joue plus après. Non. Là, je joue à 8. Ouais. Elles avaient trop bloqué à 15. Elles ont arrêté. Cette saison, elles sont à 8. Mais j'étais venu les voir justement au nouveau stade de la mission. Ah, mission, ouais. C'est un plateau aussi. Ouais. C'est un plateau. Un plateau par mois. Et chacun accueille alors. Oui, ouais. Trois équipes, ils font un résultat, après c'est trois autres équipes, et à la fin ils font le classement de la journée, puis le classement final c'est... La semaine dernière on était à Bruges, sur la semaine prochaine, à nous on travaille avec la ça glisse le ballon. Thank you.
ça. Là, si le marqueur, elle va envoyer une défense, c'est 7. Difficile à manœuvrer, effectivement, parce que, bon, déjà au départ, on était handicapé avec les blessures que nous avions et bon, on n'était pas tellement confiant, mais enfin, bon, de toute façon. Et oui, ce qui nous a handicapés, effectivement, parce que les filles n'ont pas joué à 15 depuis le 2 décembre. Alors, ça, c'est une période beaucoup trop longue. Et évidemment, déjà, quand on ne joue pas de 15 jours, 3 semaines, bon, dans le jeu, ça se ressent. Et là, évidemment, ça fait un mois et demi. C'est un peu délicat pour la reprise. Mais enfin, bon.
voilà, ça s'est très bien passé quand même, voilà, puisqu'on a remporté le match et c'est bien l'essentiel. Voilà. Ils nourrissent des ambitions peut-être maintenant pour... Oui. Oui, évidemment, on imagine bien que maintenant, je ne vois pas comment la qualification pourrait nous échapper. Donc l'objectif, c'était déjà dès le départ de se qualifier. Là, on voit qu'on est bien parti. Évidemment, je pense que comme on a beaucoup de points d'avance, il n'y aura pas de problème pour la qualification. À chaud comme ça Tout simplement, on s'attendait à un gros engagement des Bordelaises. Elles sont deuxièmes, donc je pense qu'elles ne sont pas là pour rien. Et je pense qu'on a répondu présente dans l'intensité. On a mis la main sur le ballon en première mi-temps. Donc ça nous a permis de nous libérer un petit peu, de marquer deux essais. Et par contre, en seconde mi-temps, on a beaucoup défendu. Et dans l'état d'esprit, je tiens à féliciter les joueuses parce que je pense qu'on n'a rien lâché. Et encore la preuve à la dernière minute. C'est ça, pendant 5 minutes, on reste à 2 mètres de notre ligne. Et malgré tout, on n'a pas encaissé d'essai. Donc je pense que le résultat est très très positif et encourageant pour la suite. Voilà.